Bonjour à tous, ici Adriano pour une vidéo de les cartes Star Wars Force Attack. Bon, comme vous pouvez le remarquer, j'ai plein de cartes Star Wars. La première, c'est Kylo Ren. Donc si vous ne connaissez pas Kylo Ren, je vais vous le décrire. Je vais vous l'expliquer. Donc, Kylo Ren est Dark Vador dans le 7. Il est amélioré. Donc, voilà. Il s'appelle Kylo Ren. Ben, si quelqu'un connaît Dark Vador, ben, ça c'est le filleul de... Ouais. Ça c'est le filleul de Dark Vador. Qui a pris son relais. Donc, il est dans le 7, comme Dark Vador est mort dans le 6. Maintenant, on va parler de Ken, l'empereur Palpatine. Donc, l'empereur Palpatine est le maître des méchants. Plutôt contre la rébellion, il est ce chef-là. Donc, ben voilà. Ici, j'ai oublié de dire que sur Kylo Ren, là, on voit ce qu'ils font. Par exemple, là, c'est un Sith. Enfin, un Sith dans les jeux. Et là, c'est un Power Boss. Power Boss, ça veut dire que là, on a 3. Plus, et là aussi. Donc, c'est 30 plus, par exemple, je mets celle-là et je prends attaque, et l'autre, je mets 92, et celle-ci, je mets 92. Si je mets celle-ci qui a plus 30 et celle-ci qui a 92, ça va faire le numéro qui est compris. Donc voilà. Là, je vais juste vous faire un petit aperçu de mes cartes. Je vais vous dire si c'est la rébellion ou la force. Donc ça, j'espère que tout le monde connaît Maître Yoda. Ben voilà, c'est le maître du Jedi. Et si vous comprenez pas le mot J-E-D-I, ça veut dire Jedi. Donc là, c'est Sun Trooper. Il est en or, comme vous le voyez, comme Kylo Ren, mais il est particulier. Parce que regardez le contour, il brille plus. Donc, ça fait plus 40. Là, on a, comme vous pouvez le voir, Chewbacca. C'est un copilote avec Han Solo. Donc, voilà Chewbacca. Ici, on a le T-Etre-Etsepor. Voilà. Le voilà. Et voilà. Maintenant, ça, c'est une que j'ai chargée avec mon ami, Maître Yoda. Je ne sais pas pourquoi je lui fais.
Mais voilà. Donc ça, c'est la TT BT pilote. Ok, pilote, les TT. Je vais justement vous montrer le TT. Si je l'ai encore. Voilà. Voilà ce que ça ressemble le TT. Je vous montrerai plus tard. Donc voilà, vous l'avez vu. Attends, je vais vous montrer. Voilà. Maintenant, on va aller du côté de la rébellion. Finn, j'espère que tout le monde le connaît. C'est enfin, Star Wars 7, il joue. Il est accompagné d'une fille qui s'appelle Rey. Et ils vont chercher son ami et ils vont affronter Kylo Ren avec des sabres. Donc ça, c'est C3PO, que c'est la Power Boss qui a plus 50. Celui-ci, c'est BB-8. Puis ici, on a le Falcon. Puis ici, on a encore le saut. Puis là, on a C3PO. Puis là, on a le général Krix Madin. Celui-là, c'est le garde de... Vous voyez le gros... Oui, la princesse Leila qui la tient. Là, c'est lui le garde. Celle-ci, c'est... Lui, c'est le général des méchants. Qui s'appelle... Moff G. Rod. Votre noir. Donc, après, on a un premier gain, je ne sais pas c'est quoi. Il n'y a pas eu. Désolé si je l'ai mal prononcé, vous pouvez me le dire sur les commentaires. Donc, voici Ola. Celle qui a été prisonnière dans le truc qui s'est fait manger. Et voilà, petit robot, c'est un droïde qui s'appelle FX7 Medish Droid. Et voilà, puis maintenant, comme je vous l'avais dit tantôt, le AT-AT Walker, c'est celui-là. On va passer au vaisseau d'Anakin de Luke Skywalker, qui se fait appeler le chasseur stellaire X-Wing de Poe. Après, voici le petit R2-D2. Attends, je vais vous montrer le vaisseau de Anakin de Luke Skywalker. Et voilà, parce que je crois que vous l'avez pas bien vu. Maintenant, je tourne. On va voir R2-D2. Tout le monde connaît ça. Je ne vais pas l'expliquer. Dans le set, si quelqu'un l'a déjà vu, à un moment, il est bloqué parce qu'il attend son maître Luke. Donc voilà. Il n'y a que C3PO BB-8 qui le regarde. Voilà, C3PO. Là, c'est pas un Power Boss, c'est normal. Après, voilà, on a des cartes comme ça, des cartes comme ça. Ça sert à rien. Et voilà, on a pas tout. Bon, merci, au revoir.